After all these years, to be going back to where it all started, back to the Matrix. Hey, merde. Il semblerait que quand Lily Wachowski s'est barrée, elle ait emporté le rythme avec elle. Fuck! 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 <laughs> Je voulais que ce film soit mon chef-d'œuvre de l'année. Et malheureusement, on en est quand même relativement loin. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à celles et ceux qui sont au milieu ou qui se décident. Nous allons revenir aujourd'hui sur Matrix Resurrections ou The Matrix Resurrections, parce que comme dans les Matrix Reloaded et, Revolu et Revolutions, elles savent pas se décider pour savoir s'il faut mettre The Matrix ou juste Matrix. <laughs> Donc, au début, c'était The Matrix Resurrection, et puis après, c'était Matrix Resurrection, et les paramètres de... Merde, du coup, c'est lequel? Comme les Matrix Reloaded et Revolutions, ça s'affiche au début The Matrix, alors qu'en fait, ça s'appelle juste Matrix, mais bon, bref. Donc, <laughs> The Matrix Resurrections est réalisé et écrit par Lana Wachowski, l'une des deux sœurs Wachowski, l'autre ayant décidé d'aller voir dans d'autres pâturages si l'herbe y était plus verte. Elle n'a pas voulu revenir à une licence qui datait d'avant sa transition, et elle n'a pas voulu revenir sur euh, quelque chose d'avant sa transition qui lui rappelait du coup énormément aussi ses parents qui viennent de mourir. Lana Wachowski, elle, a décidé d'écrire ce film en hommage à son père et sa mère qui venaient de mourir, leur père et leur mère viennent de mourir à toutes les deux. Et euh, elle a projeté son père et sa mère sur Neo et Trinity pour en créer une histoire qui lui permettrait d'accomplir certains fantasmes, qui lui permettrait également de traiter du thème de la nostalgie. Et comme on l'a vu dans les bons annonces qui sont sorties, le thème de la nostalgie il est quand même vachement important dans Matrix Resurrections. Et donc pour ce qui est du résultat, l'histoire sans être un copier-coller reprend clairement des traits des films précédents, mais ça, c'est parce que ça colle à une des théories de Lana Wachowski. Lana Wachowski est une des personnes qui m'a appris que les histoires, ne, les nouvelles histoires n'existent pas, que tout ce qu'on crée n'est qu'une répétition d'un autre modèle, qu'on ne fait que répéter les mêmes histoires avec des visages différents. Et là, la chose qui c'est quelqu'un quelqu qui m'a permis de voir ça dans, les, dans beaucoup de films. C'est quelqu'un qui m'a permis de voir des structures qui se ressemblaient, alors qu'à la base, t'as l'impression que les, les films parlent pas du tout de la même chose. Parce qu'elle fait souvent ça dans des masterclass. Elle euh, cite deux films que les gens pensent totalement séparés. Et en fait, elle te montre que l'histoire est exactement la même progression, que t'as les mêmes archétypes, que t'as les mêmes personnages, mais que tu t'en es jamais rendu compte. Donc c'était un petit peu le jeu et le défi ici. Coucou, Durendal, à 6 h et quelques du mat', après une nuit blanche de montage. En ce principe, à ce moment-là, vous deviez avoir une petite section qui revenait sur le fait que je trouvais que le film ne Creuser pas assez en profondeur ces questions. Et en fait, je pense que je me suis gouré dans cette interprétation de mon avis et je pense que je me suis gâché le film avec les bandes annonces. J'ai. Euh, ça va faire un peu euh, un but de moi-même, mais j'ai un peu trop bien analysé les bandes annonces et j'ai décelé très rapidement les thèmes qui allaient être abordés. Et Matrix, c'est une licence qui est intéressante pour les questions qu'elle peut évoquer. Et si tu commences déjà à voir les questions évoquées rien qu'avec la bande annonce, et les images, ça te gâche un petit peu leur révélation dans l'histoire, dans en fait. Et je pense, le, vous allez voir que le vlog va être un petit peu négatif par moment. Je, je vous dis ça parce que maintenant, ça y j'ai tout monté, je vois exactement à quoi ça ressemble. Vous allez voir que le vlog va être un peu négatif par à moment, mais dans la section spoiler, il va y avoir énormément de positifs. Et en fait, je me suis rendu compte, en montant la section spoiler, que si j'avais pas eu à l'avance les thèmes que le film allait aborder en tête, si j'avais pas déjà vu la métaphore qu'elle voulait faire, etc., etc. dans la bande-annonce, j'aurais sans doute beaucoup plus apprécié le film. Parce que j'avais beaucoup kiffé la bande-annonce quand j'avais découverte. Notamment parce que l'histoire était très différente de ce à quoi je m'attendais, et donc je pense que ça m'a un peu gâché le film, et c'est pour ça que vous n'aurez pas de résumé de l'histoire dans ce début de vlog. Parce que si je commence à révéler un peu de l'histoire, même sans spoiler, même si je vous pose juste les bases, ça va déjà donner des réponses aux questions qu'on peut évoquer dans la bande annonce. Donc, si vous avez pu vous protéger un peu des bandes annonces, c'est très bien, et si vous avez déjà vu les bandes annonces et j'espère que vous n'avez vous pas tout regardé parce que ça fera probablement défaut à votre expérience du film, ça fait défaut à la mienne. C'était plus facile je pense pour les, le, le reste de la saga Matrix, et je pense que les bandes annonces des Reloaded et Revelations vont pas trop euh, embêté avec ça parce que l'histoire avait déjà été lancée, on savait déjà vers quoi on allait aller. Là dans ce film là, c'est un film qui est vraiment auto-contenu quoi, c'est vraiment une suite, mais une suite qui fonctionne par elle-même, qui ne, ne repose pas sur le principe de poser des bases pour préparer encore une nouvelle suite derrière, euh, c'est un film qui est autonome, et du coup même en teasant les questions, quand on connaît déjà l'univers de Matrix, on peut pas refaire comme la première bande-annonce du premier Matrix, on peut pas juste teaser le retour à la matrice quoi qu'on monte, forcément ça va un petit peu gâcher les questions qui vont être abordées, parce qu'on sait quel genre de questions vont être abordées dans cet univers, et on voit en plus qu'il y a un travail de répétition, un jeu de miroir avec la saga originale, et du coup, on suppose le genre d'histoire et le genre de questions qui vont être posées, quoi. Donc euh, c'est dommage d'avoir déjà vu la bande-annonce, d'avoir déjà su dans quelles conditions ça allait se passer. Si j'avais juste vu le film sans avoir aucune bande-annonce, aucune idée préconçue, etc., je pense que j'aurais été émerveillé à chaque nouveau choix, à chaque nouvelle découverte, parce que chaque nouve nouvelle avancée du scénario m'aurait donné euh, quelque chose de satisfaisant à voir, une nouvelle question à évoquer, un nouveau truc qui peut me téturer la tête. Et je pense que ça m'a été retiré par les bandes-annonces. Mais peut-être aussi qu'elle reste un tout petit peu en surface sur les questions évoquées. Faudrait que je revoie le film pour en être sûr, ce qui va pas trop tarder normalement parce que euh, là j'ai une deuxième séance qui est déjà euh, préprogrammée. programmée euh, Je sais pas si je vais y aller ou pas parce que j'ai passé toute la nuit du coup à monter un truc et j'ai une séance à 15h donc euh, je sais pas si je vais être assez, vachement en forme. Mais je sais que je le reverrai et euh, faudra que je vois à ce moment là du coup mon appréciation du film, si, que, que je prenne en compte que je me suis fait spoiler une bonne partie de certains retournements par les bandes annonces avant de voir le film. Et ça, ça changerait peut-être mon appréciation du film. Voilà, c'est la fin de Durendal post-montage. On retourne au vlog de base. Et du côté esthétique, il y a quelque chose de très différent dans ce film par rapport aux autres. Le film, globalement, fait beaucoup plus traditionnel, euh, réaliste, naturel, terre-à-terre, terre. je ne sais pas quel mot utiliser exactement. Les plans sont beaucoup plus rapprochés, beaucoup moins composés et extrêmement cadrés et extrêmement réfléchis que dans le premier film. Dans le premier film, beaucoup de points, par exemple, étaient sur trépieds, et puis la caméra pouvait éventuellement faire un panoramique si elle avait besoin. Ici, les caméras sont plus souvent portées. C'est une modification qui est arrivée dans la mise en scène des Wachowski depuis Sensei, parce que pour Sensei, elles devaient tourner vachement vite, et du coup, elles ont décidé d'arrêter de faire des plans qui sont trop composés, trop sur trépied, etc., et de faire des trucs qui sont plus avec des caméras épaules et des choses qui sont un peu plus dans l'instant. Mais je trouve que dans ce film-là, ça, ça enlève quelque chose. Il y a moins cette esthétisation, il y a moins d'iconisation aussi, du coup, vu que les plans sont moins composés, moins parfaitement cadrés, moins parfaitement centrés, etc. Il y a une petite iconisation qui manque un petit peu. Et surtout, et c'est là-dessus du coup que j'ai démarré mon vlog, le rythme est complètement aux fraises. C'est pas vraiment que je me fasse chier. À côté de moi, à ma droite et à ma gauche, il y a deux mecs qui se sont endormis. <laughs> ans même temps. Donc, j'admettrais que quelqu'un me dise qu'il trouve le film chiant. Moi, je l'ai pas trouvé chiant, mais en fait, j'ai trouvé le film constamment égal à lui-même. J'ai trouvé qu'il y avait très peu de sentiments, de progression, de transition, de passage entre une émotion ou une autre, une scène ou une autre, une tension ou une autre. Un registre d'action et un autre, etc., etc. Je pense que ça vient en bonne partie de la musique, qui a beaucoup moins de personnalité que dans les films précédents. La musique est pas ouf, d'ailleurs en général, elle se ressent très, très peu. Et véritablement, le seul moment où la musique est vraiment cool, il y a un petit peu le climax et il y a surtout le, un moment dans le film où on reprend White Rabbit, qui était donc le thème qui était joué pendant le premier trailer avec un remix de White Rabbit. Mais grosso modo, les musiques sont pas aussi marquantes que dans les autres. Don Davis n'est pas revenu, du coup, refaire la musique de ce film-là et ça se sent à mort parce que lui, du coup, il marquait bien du coup les transitions entre les différents trucs. Je pense que si on avait eu comme dans les Matrix, euh, les, les matrices d'avant, ce bruit-là, qui se mettait tout le temps quand il y avait un retournement ou à une fin de film, en dans ce genre-là, ça aurait peut-être été un peu plus fort, parce que là, avec les musiques qu'il y a dans le film, vraiment, tu sens pas les, les, les moments marquants et tout dans ce genre-là, ça fait tout avance un peu, de façon un peu plate. Ah Vraiment, t'as l'impression que tu sens pas une scène se terminer, que tu sens pas une autre scène commencer, que tu sens pas une transition entre deux des états d'esprit différents, et du coup, tu sens très peu la progression dramatique, ce qui est un petit peu emmerdant. Il y a aussi certains passages qui auraient pu être complètement coupés s'il n'y avait eu le jeu par rapport aux réminiscences de la saga Matrix. Et puis, j'avais l'espoir que le, certains des plus beaux plans n'aient pas été mis dans la bande annonce. Ce qui pourtant était le cas dans les anciens films, d'ailleurs. Dans les anciens films, il y avait toujours des plans du... Il y avait des plans de l'attaque avec tous les Smiths dans, dans un des films. Il y avait des plans sur la, la fin, avec, etc., etc., avec le combat contre tous les Smiths également. Donc, souvent, les Wachowski ont un petit peu teasé vraiment ce qui allait se passer dans le film en nous donnant un petit peu trop de réponses, mais... Là, pour le coup, il n'y a pas d'instant, et ils en parlent régulièrement, c'est ça qui est drôle, d'instant bullet time. Il n'y a pas de nouveaux visuels qui sont particulièrement bluffants et prenants et marquants et qui pourraient rester dans la mémoire du spectateur une fois qu'il est sorti en salle. Les plans sont beaucoup plus quelconques, les plans sont beaucoup plus rapprochés, le montage est un peu plus rapide, ça se fait que du coup, tu sens aussi beaucoup moins la puissance des chorégraphies et la perfection des chorégraphies. J'ai trouvé que les combats faisaient limite foireux et limite mal répétés en fait dans ce film-là, qu'on jouait presque mal la réception des coups, les chutes, les projections, etc. T'as l'impression que c'est vachement déstructuré, que t'as l'impression qu'il... Soit qu'on a coupé une partie de la, la chorégraphie ou autre chose, mais t'as l'impression qu'à un coup, ne correspond, à une action, ne correspond pas à la réaction d'opposé. Ce qui est paradoxal étant donné les messages des batteries précédents. Causality. Action. Reaction. Cause. Effect. Je trouve que les scènes de baston sont... Pas du tout grandiose et font un petit peu foireuse. Les enchaînements sont foireux, les personnages sont pas parfaitement en rythme, pas parfaitement synchro. Elle fait une reproduction du, coup, du combat entre euh, Néo et Morpheus quand il doit se libérer en principe dans le premier Matrix. Tu sens que c'est brouillon, tu sens que les enchaînements sont pas bien répétés, tu sens qu'il y a un truc qui est trop fouillis, tu sens que le plan cadre pas bien l'action pour faire un enchaînement d'un plan à l'autre, etc. Est-ce que c'était aussi par rapport au, au développement pendant le Covid Est-ce qu'à cause de ça, du coup, elle a pas eu le temps de préparer correctement ses chorégraphies, de faire des scènes qui valent le coup, etc. C'est un peu bizarre. D'autant que Chad Stylitsky, qui est aujourd'hui le réalisateur des John Wick et qui était le chorégraphe de Matrix 1, fait un caméo dans ce film-là. Donc tu sais qu'au moins elle l'a côtoyé ne serait-ce qu'une journée. Quoi. Je ne sais pas s'il était responsable des combats dans le film, mais tu sais qu'au moins pendant une journée elle l'a côtoyé. Donc tu dis. Il aurait dû le sentir, lui, qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans les scènes d'action. Justement, lui qui a parfaitement repris le flambeau des scènes d'action de ouf avec John Wick. Et là, non, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui manque. Et je dois vous avouer que du coup, je suis ressorti assez déçu de ce Matrix Resurrections. j'irai pas jusqu'à dire que c'est nul. Et dans les films à thématique nostalgique, je dirais qu'au moins il fait un peu plus d'efforts que Spider-Man euh, No Way Home. Parce que contrairement à Spider-Man No Way Home, la nostalgie n'est pas euh, entretenue que par le côté, tenez, ça, ça revient. Et ça revient. Exactement comme on l'avait fait dans le film d'avant, et encore avec les, les Spider-Man, ils, ils jouent pas extrêmement comme dans leur film à eux, mais voilà, dans Spider-Man No Way Home, c'est la référence pour la référence. Et là, elle fait des références pour créer une nouvelle histoire, qui pour le coup, je l'aurais pas trop vu venir. Je l'avais plus ou moins vu venir. Mon explication était presque la bonne quand j'ai analysé la bande-annonce, mais il y a quand même quelques petites différences, il y a quelques surprises, et il y a une fausse piste par rapport au méchant principal du film qui est assez intelligemment joué, mais grosso modo, on a tout vu dans les bandes annonces, et il n'y a pas de réellement de surprise, il n'y a pas réellement de scène qui soit d'une force particulièrement impactante, et qui justifierait du coup tout le reste. Non, c'est si, y a une scène, vers la fin, qui pour le coup m'a mis des vrais frissons dans le dos, et que j'ai trouvé particulièrement jolie, mais j'y reviendrai dans les spoilers. Euh, les 2h28 sont un petit peu longues, donc voilà, je dois admettre que pour ce qui est de ce nouveau film, je suis quand même relativement déçu. Là où je suis un petit peu moins déçu, c'est que dans ce film, du coup, on reparle énormément du premier Matrix, pour des raisons que vous découvrirez en allant voir le film ou dans la section spoiler, si ou, que vous connaissez déjà, si vous, vous allez regarder la section spoiler. Mais on reparle énormément des thèmes du premier Matrix. Et ce que j'ai adoré, c'est que ce film valide toutes les théories que j'ai affichées dans ma vidéo, toute ma vision du truc, la vision de Sion et des machines et l'amour de Neo et la relation entre et tout le bordel. Je crois que quasi rien de ce que j'ai mis dans mes proches de l'époque n'est absent du film. Elle a quasi tout confirmé, la Lana Wachowski. Et il y a un truc qui m'a fait marrer aussi d'ailleurs, c'est que vous savez que récemment il y a eu une... un article qui est sorti dans un journal, disant ça y est, les Wachowski le disent officiellement, Matrix en fait, c'est une métaphore de la transsexualité Point. Aucune nuance, aucun ajout, rien à côté, etc. Prétexte, c'est Lily Wachowski qui l'a dit. If you have already seen this interview, I'm glad that people are talking about the movies, um, the Matrix movies uh, with a trans narrative. I'm glad that it has gotten out that, um, you know, that was the original intention, but the corporate world wasn't ready for it. So I think any kind of art that you put out into the universe, there's a letting go process. I don't know how present. Elle a jamais dit, c'était juste un film sur la transsexualité. C'est un truc qui est dingue, parce que du coup, il y a des trans qui sont persuadés que ce sont les mots de Lee Wachowski, donc du coup, dès qu'on les contredit, ils pensent qu'on attaque une personne trans et que donc on est transphobe. Ce n'est pas du tout le cas. Je veux justement restaurer la valeur de la parole de Lee Wachowski. Lee Wachowski n'a jamais dit, c'est la transsexualité, et c'est tout. Et là, Lana Wachowski, dans ce film, évoque quel pouvait être le sens du coup du premier Matrix. Et à un moment, quelqu'un dit c'est une métaphore de la transidentité et des trucs dans ce genre-là, etc. Et en gros, tout le monde a une, une interprétation, une analyse différente. Et tout le monde a tort, très clairement, étant donné la gueule que tire euh, un certain personnage. Dont je ne peux pas parler, euh, du coup, sans aller dans les spoilers. Mais du coup, ça a fait plaisir que Lana... Valide ça également dans son film et disent, non, non, notre film, c'est pas juste une métaphore sur la transsexualité. D'accord, dans le premier, il y a un personnage qui s'appelle Switch et qui passe de masculin à féminin entre le réel et le, et le monde virtuel. Mais le thème du film global, c'est pas la transsexualité. Le thème du film global, c'était les sous-cultures et comment est-ce que toutes les, les sous-cultures essayaient de résister, d'exister face à un système qui les empêchait d'avoir, d'avoir la parole. Donc, je suis content qu'elle ait remis les points sur les i avec ce film. Je vous avouerai, cela dit, que Étant donné certains choix de dialogue et de mise en scène, je serais pas tout à fait sûr d'être totalement dans le discours de ce Matrix là. Il y a un personnage qui représente plutôt le mal, qui évoque le mot sheepole, la version anglaise de ce qu'on dit en nous en français les moutons. En, en anglais, ils disent les sheepole, qui est un mélange de sheep, mouton, et people, les gens. Donc c'est les sheepole. Et quelqu'un dit ça à un moment, on parle des... Est-ce que je peux dire tout ça sans faire des spoilers J'apporterai peut-être ça dans la partie spoiler, je vais ajouter quand même un deuxième truc, c'est qu'il y a une scène de course poursuite dans un train et le train est proche de Tokyo et beaucoup de gens l'avaient remarqué dans les bandes annonces. Je ne voulais pas en faire des masques là-dessus, mais certains personnages ont des masques dans le train. Et étant donné certains discours, tu te demandes un peu si Lana Wachowski euh, irait pas flirter du côté de ceux qui ont mal récupéré le message de Matrix. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup récupéré le message de Matrix pour euh, dire des choses qui sont plutôt à l'inverse des messages du premier film. Tout le vocabulaire qu'on a créé autour de matrixer les gens et des trucs dans ce genre-là, et de, se, de prendre la pilule rouge et tout le bordel... Et il y a certains moments dans le truc où j'arrive pas à savoir si elle dénonce ces gens pour penser comme ça, ou si elle adopte elle-même le truc. Et le côté les masques dans le train, avec une des répliques qui vient d'un des personnages du film... Tu te dis... Est-ce que ça pourrait être une dénonciation de la docilité de la population et tout le bordel, et de la servilité et, de, et tout le bordel Je sais pas, c'est un petit peu flou. Euh, peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Euh, avec des vraies lunettes plutôt que celle-là. <laughs> mais peut-être qu'il faudrait que je le revoie une ou une, 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 deux, trois fois pour mieux cerner quel peut être son message à ce niveau-là. Mais je vous avoue que j'ai eu des doutes pendant une ou deux scènes. Pas suffisamment pour me déso désolidariser du film ou de la nawa mais j'ai eu des doutes à certains moments par rapport au discours qu'elle pouvait tenir. Après, pour aller dans les bons points. Les dialogues sont quand même infiniment plus intelligents que beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui, et beaucoup de choses qui sont écrites aujourd'hui, ce sont des dialogues qui permettront de, leur, de lever certaines questions. Il y a un humour qui marche plutôt bien, je dois admettre que personnellement, presque toutes les blagues du film m'ont fait marrer, vraiment, euh, véritablement, même quand c'était des blagues qui étaient vraiment plus... Un petit... même certaines blagues qui étaient un petit peu... Euh, je, je veux pas dire... humiliantes, c'est un terme extrêmement fort, pour ce que je viens de dire là, que personne ne se bloque à ce terme-là, c'est vraiment parce que j'ai pas de meilleur terme un peu plus doux, mais il y a de légères humiliations petite réduction de son piédestal euh, de certains personnages qui, à certains moments et même ça pour le coup c'était plutôt drôle qu'humiliant ou quoi que ce soit quoi donc je trouve que l'humour marche plutôt bien et puis on retrouve évidemment beaucoup des euh, de, de, des habitudes de mise en scène de Lana Wachowski on a un travail des couleurs qui est particulièrement intéressant du coup je vous avais dit en voyant la balance déjà mais la matrice est baignée de bleu il y a que du bleu absolument partout en remplacement du vert qu'il y avait avant le jaune est beaucoup plus accidentel et n'arrive véritablement que vers le climax dans lequel on retrouve une matrice un petit peu plus verdâtre. Donc déjà, rien que pour ce travail des couleurs-là, c'était quand même plutôt cool, tout le travail du rouge, du bleu, des... avec... basé sur les piellules rouge et bleu. Il y a un moment qui est très sympa où euh, Neo a un doute et il est filmé par rapport euh, au reste de la ville avec les lumières de nuit. Et parmi les lumières de nuit, il y en a une de chaque côté qui est presque, il est parfaitement parfaitement centre-milieu, Et sauf qu'il y en a une qui est rouge, une qui est bleue. Du coup, va... c'est comme ça, un moment où il ne sait pas trop ce qu'il veut faire sans aller dans le détail, ça marche parfaitement du coup avec cette, cette idée de mise en scène au niveau des couleurs. Et puis on retrouve le travail euh, habituel des Wachowski depuis leur tout premier film sur la mise en scène notamment du temps avec un travail des ralentis et ici du coup un travail notamment de diverses temporalités différentes dans un même cadre. C'est-à-dire qu'en fait elles ont... Elle est toute seule. Lana a probablement tourné certaines scènes à différents frame rates pour les mélanger au compositing en post-production et euh, du coup, il y a beaucoup de plans qui jouent sur différents personnages qui avancent à différentes vitesses dans les mêmes plans et les mêmes environnements, euh, du coup, euh, de, 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 les mêmes décors. C'est ce que je veux dire. Mais comme je l'ai dit il y a quelques secondes, ça rattrape pas le côté bullet time des films d'avant. C'est pas un truc aussi impressionnant. C'est pas un effet wow. C'était pas aussi compliqué à créer. C'était pas le fruit d'un énorme travail de recherche et développement. C'est juste, euh, elle a filmé la même scène avec les mêmes angles, avec des, des frame rates et, ou des temporalités un peu différentes. Et donc du coup, parfois sur un même plan, tu vas avoir des éléments qui arrivent normalement, puis tu vas avoir des éléments qui sont très saccadés, tu vas avoir des éléments qui au contraire avancent à vitesse normale, mais ont énormément de flou, de motion blur, parce que euh, du coup le personnage, en vérité, bouge plus vite que le reste de l'environnement, mais pas, pas tant que ça en plus, donc ça fait un petit mélange. Du coup, et ces plans-là, qui en termes de mise en scène, pour le coup, étaient assez intéressants en termes de réalisation. On retrouve également son gimmick du plan. Qui est discuté par les personnages et qui est illustré en train d'être accompli en même temps, en parallèle. Tu vois à la fois les personnages raconter quel va être leur plan et le plan en train de se mettre en place petit à petit jusqu'à un moment précis du plan, qui est le moment où ça peut se faire ou se défaire complètement et t'as euh, du coup une, euh, un élément perturbateur qui arrive et qui vient foutre un petit peu en danger le plan. Donc vraiment, tu retrouves tous les clichés de mise en scène des Wachowski et je dois dire que le climax pour le coup est vachement, vachement prenant. Euh, ça justifie presque. Mais je dis bien presque, <laughs> les deux heures qui précèdent le film. Parce qu'à 2h28, franchement, non, il y avait moyen de couper au moins une demi-heure de ce film, voire un peu plus. Euh, mais ça aurait, du coup, empêché à des certains, certains trucs de se faire. Mais donc, oui, cette scène de fin, cette scène de climax, elle est vachement impressionnante. Elle est nerveuse, elle est violente, elle est euh, un peu mieux filmée que les autres, parce que est généralement, filmée d'un peu plus loin. Euh, les enchaînements se font mieux, les pouvoirs sont bien utilisés, etc. Donc pour le coup, j'ai beaucoup aimé euh, le climax et euh, la, tout ce qui est la fin du film en fait. Et encore, même là, vous vous souvenez à quel point la transition était smooth entre le moment où Trinity réveillait Neo et il s'embrassait, et tu avais une transition pour passer ensuite au coup de fil qui et au tracker qui répétait du coup le début du film. Elle essaye de refaire un peu les mêmes enchaînements dans ce film-là. Elle, elle finit d'abord son climax et puis ensuite elle passe à, euh, le, au dénouement. Ou l'épilogue plutôt. Et, parce que le dénouement, c'est un synonyme de, de climax. Et ici, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'on enchaîne sur une autre scène dans une barre de montage, quoi. Mais tu ne sens pas vraiment un enchaînement naturel du climax du, qu'on vient de voir, du plan précédent au plan suivant. Et vraiment, ça, c'est le truc qui m'a le plus marqué c'est à quel point les transitions ne marchent pas dans ce film-là. Je, 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 je suis en train de dire ça alors que c'était sans être la qualité du film, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment laborieux. Après, je trouve que l'histoire est plutôt bonne, les idées sont intéressantes, les métaphores aussi sont intéressantes. Je trouve que l'évolution du monde est plutôt intéressante, qu'il y a des explications qui sont plutôt logiques, qui sont offertes sur pourquoi, comment, etc. Et parfois, quand les personnages ne savent pas, bah, ils le disent clairement, on sait pas, on n'a pas d'explication pour ça. Mais la plupart des explications viennent quand même, arrivent quand même dans le film. Voilà, écoutez, je pense que j'en ai dit beaucoup sans faire de spoiler. Je, je pensais pas réussir à enregistrer au moins 20 minutes de vlog sur, euh, sans faire de spoiler. On va quand même passer à une petite section spoiler pour parler véritablement de ce qu'est dans le film. Je vous mets donc le petit signalement. Voilà, les logos qui débarquent. Je vais changer de lunettes, comme ça, ça marquera dans la timeline aussi par rapport aux miniatures euh, le changement entre spoiler et no spoiler. Celles-ci vont mieux tenir au moins. Ce sera plus, plus pratique que ça. C'est chiant ça parce que en fait c'est un clip. Vous savez, il y, y a des pinces ici. Vous ouvrez du coup les petits euh, les petits trucs et vous devez vous, vous foutre sur le tourner Mais en fait c'est juste une pince. Donc si t'as un tout, tout petit peu de sueur, c'est bon, ça commence le truc commence à glisser tranquillement. Et puis... Donc euh, ça, ça n'est pas encore tombé. Cela dit, ça n'est pas encore tombé, mais j'ai régulièrement remis le truc. Voilà, maintenant que nous sommes dans les spoilers, au tout tout début du film, on a donc une reproduction de la première scène de Matrix pendant une à deux minutes. Ensuite, on passe avec les nouveaux euh, personnages secondaires du coup de cette histoire qui sont en train de regarder ces événements et on les voit du coup sous des angles un peu différents. Euh, ne serait-ce qu'avec le premier plan qui démarre avec un reflet dans une flaque d'eau, ce qui est intéressant, ça reprend le thème du miroir de Matrix et tout le bordel. Et en fait, tu sens dès le début du film que ça va pas être aussi grandiose ce Matrix Resurrections que l'étaient les deux autres. Parce que rien que le coup de Trinity, tu c'est qui monte en l'air et qui fait son gros coup de pied au flic, et eh bah ben, il est pas reproduit. Et du coup, dès ce truc-là, tu te dis, hein, quelque chose qui est particulier en termes de mise en scène, j'ai l'impression que ça va être beaucoup moins grandiose quand même. Mais j'aime bien l'idée du coup du, euh, de, du message nostalgique sur tiens, euh, on est en train de revivre une histoire qui a déjà existé, donc il y, y a tout un truc en fait, euh, Néo a créé un module, dans ce genre-là, qui permet de simuler à nouveau cette, cette réalité, qui est peut-être le code du jeu vidéo lui-même, d'ailleurs, je sais pas trop. Et donc, tu as cette discussion autour de pourquoi créer du nouveau avec un vieux code qui est parle donc du thème de la nostalgie et de, 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 de ce qui y a d'intéressant est intéressant là-dedans. Ce qui est intéressant là-dedans, ce là c'est que bah, du coup tu sais comment ça fonctionne. Tu t as, t as eu des retours sur le truc, etc., etc. C'est ce qui donne l'intérêt du coup de, de, des licences par exemple au, à Hollywood. Euh, donc il y avait ce, ce truc-là qui était assez intéressant. Après, du coup, la, la scène évolue un petit peu et on a du coup quelques révélations, notamment le fait que ce nouveau Morpheus n'est même pas un personnage humain réel. C'est euh, la version de Morpheus que Neo avait codée en fait dans son jeu vidéo et qui euh, Reprenait les clés enfin les codes principaux de Morpheus, mélangeait un petit peu de Smith. Et j'ai pas compris pourquoi en fait exactement. Euh, parce qu'il y a vraiment deux personnages opposés dans Matrix, c'est Smith et Morpheus. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils les ont réunis du coup dans le nouveau, ni ce que ça ajoute ou ce que ça apporte à ce nouveau Morpheus en fait. Et ensuite, on retrouve notre personnage principal. Neo a donc bien été réintégré dans une matrice, dans la matrice, on va dire même. Cette matrice est bien une matrice qui est faite pour travailler les petits délires personnels. De chaque personne, il y a une phrase qui est assez importante qui est les gens se foutent des faits, ils s'intéressent aux, aux émotions, et donc les faits sont pas importants, et donc justement, poser la question sur qu'est-ce qu'est le réel, qu'est-ce qu'est le machin, etc. Finalement, c'est une question qui arrive à trouver ses limites quand à une population qui, en fait, n'est pas intéressée par l'idée de chercher le réel, mais qui a juste envie d'avoir de, de, la réalité qui convient le mieux à son, euh, son inconscient, son subconscient. Et en ayant compris comment fonctionnait du coup ce, le, le côté émotion et sentiment des humains, il y a un nouveau programme qui s'appelle L'Analyste qui a décidé de créer une matrice dans laquelle Neo et Trinity existaient, mais ils ne pouvaient jamais se rencontrer. Chacun a une petite vie. Euh, Trinity s'appelle Tiffany. <laughs> le nom a beaucoup, beaucoup fait marrer, mais c'est volontaire justement. Elle a désormais un mari et des enfants. Son mari étant donc Chad styleski le réalisateur de euh, John, euh, John Wick. Et le chorégraphe des premiers films Matrix. Et Neo, lui, vit dans une boîte de jeux vidéo. Je pensais qu'il était acteur, mais en fait, non, il est programmeur. Mais en même temps, il était déjà programmeur dans le, dans le premier film. J'aurais dû, je suis con. J'aurais dû rester dedans, mais c'était tellement, il y avait tellement de brisages de quatrième mur et tout tu me disais, bah oui, forcément, enfin. Et en fait, non. <laughs> Donc, non, il n'est pas acteur. Il est programmeur de jeux vidéo et il a créé une trilogie de jeux vidéo qui s'appelle La Matrice. Et c'est là que t'as le discours méta du film. Parce que t'as le patron de la boîte qui le contacte et qui lui dit, bon, bah je suis désolé, mais les gens de Warner Bros nous ont dit qu'il fallait qu'on fasse une suite, qu'on ait, qu ait envie ou pas. Si on n'a pas envie, il y avait la france en nous, donc euh, il vaut mieux que tu t'y mettes maintenant, mec, parce que sinon, euh, ton, ton truc va t'échapper, quoi. Avec Neo qui répond, putain, il nous avait promis le contrôle artistique exclusif, etc. Et alors du coup, est-ce que c'est vraiment comme ça que ce film est arrivé Parce qu'elle avait raconté son histoire par rapport à, à, la, à la mort de ses parents et du coup à un scénario en hommage à ses parents. Et du coup, tu te demandes est-ce que c'était vraiment dommage à ses parents, ou est-ce que, comme elle le dit, comme elle le sous-entend dans les dialogues du film, c'est parce que Warner a dit vous nous faites une suite là parce qu'on a besoin de faire un truc qui marche bien en salle, donc euh, Matrix c'est une de nos grosses licences, un truc qui a le mieux marché, vous allez nous en refaire un autre quoi. Et même avec ce genre de discours, il y en a quand même qu'une seule des deux qui est re revenue. Hein. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire, c'est qu'elle dit ce que je dis moi dans une, ce que j'ai dit moi dans une autre critique, euh, c'était il euh, y a toujours une autre histoire à raconter. On peut considérer que l'arc principal qu'on avait choisi choisi de, de créer et d'écrire est terminée, ça nous empêche pas de prendre la suite. C'est une fois qu'on a créé des personnages, surtout si on les a bien créés, ils peuvent avoir une vie au-delà du coup de, euh, de de ce pour quoi on les a créés. Donc j'aime bien qu'elle ait inclus l'idée de oui effectivement je pense que l'histoire terminée, mais tant qu'on me demande de faire une suite, moi j'arrive à trouver un truc, quoi, j'arrive à trouver une petite inspiration. J'ai bien aimé ça de la part de Lana. Mais donc du coup voilà, c'était ça donc l'histoire de base. J'avais cela dit raison en pensant que le psychiatre était un, une façon de contrôler euh, Neo. Et qu'il avait au moins eu des pensées suicidaires. Je pensais qu'il s'était suicidé carrément. Et apparemment, j'ai l'impression qu'il l'a fait ne serait-ce que dans une version de la matrice. Mais ensuite, euh, il reboot le truc, et il reprogramme le code, et il se perfectionne le truc pour que euh, ce Neo reste toujours bien enfermé dans sa réalité, et ne puisse pas penser à sortir, ne puisse pas aller voir Trinity, etc., etc. Et donc, c'est ça qui est très rigolo, c'est qu'on démarre ensuite une séquence où t'as euh, tout un groupe de euh, programmeurs et de... de, de tous les différents départements qui sont responsables d'un jeu vidéo, qui sont en train de brainstormer sur, bon, alors du coup, faut qu'on fasse une suite à Matrix. C'était quoi Matrix? Qu'est-ce qu'il y a plus Quels sont les termes qui doivent revenir? Quelles sont les explications? Quelles sont les idées? Etc., etc. Et donc, t'as tout ce petit monde qui est en train de brainstormer autour d'une table et qui ressort en gros toutes les théories que les fans ont sorties pendant des années sur le sens, etc. Y compris la théorie trans, pour pour être balayé d'un revers de bras. Je sais pas d'ailleurs, vous est les spoiler, si vous êtes resté jusqu'à la scène post-générique, il y a une scène post-générique, un sketch post-générique, on va dire, à la fin, où euh, les mecs sont en train de dire non, non, en fait, Matrix, les gens s'en foutent, il faut qu'on qu passe à autre chose, il euh, faut qu'on fasse un truc avec des chars, on va appeler ça 4 <laughs> J'ai bien aimé. Un truc qui est rigolo d'ailleurs, c'est que ça fait longtemps qu'ils ont annoncé que Christina Ricci avait un rôle dans ce film. Et je me demandais où, parce qu'avec tous les trailers qu'on a vus, elle était jamais dedans une seule fois, elle faisait partie ni de la résistance, ni de quoi que ce soit. Et en fait, elle joue l'une des responsables, du coup, de, de la boîte de jeux vidéo qui emploie Néo. Et euh, elle a exactement le style capillaire de Lana Wachowski si elle avait des vrais cheveux et pas des dreads. Il y a une partie des cheveux qui est rouge et l'autre qui a une mèche blanche en tout, cas là, et c'est la couleur qu'elle donne à ses dread, la, Lana Wachowski. Et donc du coup, euh, voilà, je crois qu'il y avait une évocation assez claire euh, du coup de Lana Wachowski dans le rôle de, qui est joué par Christina Ricci. Mais alors elle est là. Deux secondes à l'écran, c'est du caméo de chez caméo. Je sais pas ce qu'elle fout là exactement. Je pense qu'elle devait avoir un rôle plus important et ça devait être coupé au montage. Le film devait être un petit peu plus loin à la base. Et je pense que ça se sent aussi justement dans le reste du montage. Je pense qu'il y avait des scènes qui devaient être plus fortes, qui étaient inscrites dans un second scénario et qui ont dû être coupées ou un truc de ce genre-là. Enfin, il y a quelque chose qui va vraiment pas au niveau du rythme de ce film. Mais bon, voilà. On a retrouvé du coup euh, le, le concept de base de cette histoire. C'est donc Neo qui bosse pour une boîte de jeux vidéo dont le patron est du coup une réincarnation de Smith dont je trouve le comportement un peu étrange. Il y a un moment déjà où il est là, tu sais pas comment est-ce qu'il est là parce que tu sais pas comment il peut savoir qu'il se passe quelque chose. En principe, il est plus euh, intégré au système, il, fait, il, fait, il, est, il est un peu ex extérieur au système de la matrice. Mais j'ai pas surtout compris pourquoi est-ce que à la fin il, se, il change d'avis et il se met à aider Neo d'un coup pendant quelques secondes et puis après il fait euh, bon c'est la fin de notre collaboration etc. Tu fais mais pourquoi t'es venu Tu es venu pour débloquer le scénario en fait, mais sinon <laughs> t'as aucune raison d'être venu. Pourquoi est-ce que tu viendrais le défendre Oui, euh, il l'apprécie peut-être parce que il l'a il libéré, mais ça, ça l'aidait pas beaucoup à l'apprécier dans les autres films, quand même. Euh, même s'il y avait un rapport qui était assez, assez intéressant et trouble entre les deux personnages, mais là je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Euh, et donc du coup c'est lui qui a une mauvaise direction, hein, une fausse piste, pour te détourner du coup du psy qui lui maintient véritablement Neo dans sa dans, dans le réel de la Matrice, et qui donc est l'analyste qui a créé du coup ce, ce nouveau code et cette nouvelle version de la Matrice, et cette façon d'enfermer Neo et Trinity du coup. À propos d'ailleurs de l'agent Smith qui revient, euh, c'est intéressant parce que du coup dans le film, il y a tout un tas d'extraits des autres films qui reviennent à ce moment pour illustrer c'était pas juste dans la bande-annonce qu'on a vu, on pensait que c'était un effet de style pour la bande-annonce, non c'est vraiment intégré au film, il y a des citations directes du coup de ce qui s'est passé avant. Billions Oblivious. Et il y a un truc d'ailleurs qui me fait beaucoup marrer avec ces citations, c'est qu'elle confirme que la matrice est censée dégueuler de vert et pas être subtile comme l'a fait le chef, le directeur de la photographie quand il vient de sortir le Blu-ray Ultra HD là qui vient de sortir, le Blu-ray 4K où il a complètement changé l'étalonnage du truc. Alors il y a des endroits où ça passe mieux parce qu'effectivement il y a des lumières qui sont un petit peu mieux étalonnées, mais grosso modo dans la matrice, la matrice est censée être vert, c'est censé être bien vert quoi. Et là avec les plans qu'elle a repris et vu comment est-ce qu'elle les a étalonnés dans celui-là, clairement elle veut que ce soit vert la matrice. Donc il va falloir arrêter de casser des couilles maintenant, la matrice quand on est dans le monde de la Matrice, c'est vert. Avec certaines nuances par-ci par-là, par exemple quand elle fait la scène avec l'oracle, c'est pas spécialement verdâtre, mais chez l'oracle il y a la, la tapisserie qui amène la couleur verdâtre, mais clairement elle veut que ce soit vert quand on est dans la Matrice, donc merde, ils me font chier tous ceux qui sont en train de dire mais non c'était pas vraiment vert la Matrice, c'est... Si vous avez vu Matrix et que vous pensez que le monde de la Matrice n'était pas vraiment vert, vous aviez une mauvaise copie de projection, ou une copie de projection qui traînait depuis plusieurs jours dans, le, dans, la, dans le, la cabine de projection. Et qui donc a perdu ses couleurs et s'est délavé au fur et à mesure, à force de passer devant la lumière qui crame un petit peu les produits chimiques qui sont sur la pellicule. La Matrice a toujours censé être verte. On n'a pas décidé d'un seul coup ou augmenter le vert quand on a sorti Reloaded the Revolution, qui est la connerie que j'entends de... Depuis les sorties de Reloaded the Revolution, c'était prévu pour être vert dans le monde de la Matrice, qui a un directeur de la photo qui a fait de la merde, et il y a certaines personnes qui ont sorti certains certaines VHS, DVD, certains trailers, etc., qui ont mal fait leur boulot en ne présentant pas les, les bons étalonnages. Voilà. <laughs> Dans les trucs confirmés du coup du premier, de la saga, ça fait vraiment plaisir. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça et donc on a remis les bases de ce nouveau film, on commence à refaire du coup tout le cheminement de la saga Matrix entière. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont cru, oh, dis donc, il y a un retour du premier Matrix, ça va être la même chose que le premier Matrix. Non, non, en fait, c'est les trois films réunis en un. Peut-être aussi pour ça que ça fait deux heures et demie. Parce qu'on a, le côté début avec libération de Neo et puis le premier combat contre les machines. Il sort du coup de la matrice, il retourne dans le monde réel où on découvre comment est-ce que ça a évolué, que lui il est, il est conservé quelque part avec euh, Trinity, qu'il y a une nouvelle cité qui s'appelle Io qui n'est plus comme Sion. Ça confirme d'ailleurs que Sion c'était une vision très passéiste et c'était une autre matrice. Elle appelle littéralement Sion une autre matrice dans ce cas-là. J'étais la seul à dire ça, non, mais pourquoi j'en avais tort Donc oui, Sion était une autre forme de matrice. C'était binaire, c'était nous contre eux, etc. Et elle, elle a créé Io qui est la Réunion du coup, c'est 1 et 0, hein, IO évidemment, et c'est la réunion du coup des machines et des humains dans une même ville, et donc les machines et les humains collaborent désormais, et il y a des machines dans les groupes de vaisseaux, etc. Donc voilà, on découvre tout un tas de trucs qui sont très cool. Au premier tiers du film, on arrive dans le monde réel, on découvre Io Sion du coup, euh, l'évolution de Sion on va dire, et Neo retourne dans la matrice pour mettre en place un nouveau plan, on retrouve le mérovingien, un personnage du deuxième film du coup qui est... Égal à lui-même et absolument magique dans ses insultes françaises mélangées au milieu du texte anglais, il a un nouveau look maintenant en plus de Clodo qui je trouve lui va plutôt bien et j'aime bien, bien ça marche bien mais, du coup avec ce, ce côté insulte le fait qu'il soit ultra frustré que Neo lui ait tout retiré de son pouvoir et de son machin et qu'il passe son temps à l'insulter le traiter de sale fils de pute de merde et tout, et tout, et tout. j'ai ai beaucoup aimé je, je dois vous avouer que ce retour là et pourtant c'est vraiment du caméo hein, il fait pas grand chose dans le truc mais je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé le, le traitement en tout cas du Muranvignien dans euh, dans ce dans ce film et puis ensuite et c'est là à mon sens qu'il y a un gros défaut de rythme, Néo revient à nouveau dans le monde réel pour se faire engueuler par Niobe, pour retourner ensuite dans le monde virtuel, essayer de chercher Trinity. Et c'est ce retour qui, à mon sens, tue le rythme du film, notamment dans la deuxième partie. Il bon, faut dire que dans le début, c'est pas génial non plus au niveau du rythme. Euh, je vous dis encore une fois les enchaînements, tout bordel, mais. Vraiment, cet aller-retour entre réel, euh, Sion, réel, Sion, c'est pas Sion, réel IO, réel c'est beaucoup plus compliqué à dire que Sion, bizarrement alors qu'il y a deux lettres, mais c'est un petit peu redondant, un petit peu répétitif, tu sens que ça freine le script, tu sens que ça l'empêche d'avancer, ça aurait été plus intéressant qu'ils partent et que Genre Niobe les rejoigne pour leur faire une nouvelle leçon, peut-être viennent avec d'autres machines, etc. Il y a un enchaînement qui n'est qui pas tout à fait bon dans ce truc-là, mais à mon sens il est fait spécialement pour que du coup ça répète un petit peu le schéma des, deux, des premiers, deuxième et troisième films. Et puis évidemment du coup en reprenant le climax avec le troisième film, on arrive dans une ville qui est remplie d'ennemis, comme il y avait tous les Smiths dans, du coup à la fin de Revolutions, qui cette fois-ci attaquent tous en même temps, c'est le mode meute de la Matrice qui convertit absolument toutes les personnes qui habitent dans la Matrice en bots. Il n'y a plus d'agents véritablement, les agents c'est un vieux truc d'avant, maintenant c'est des bots, et en fait c'est intéressant aussi la population elle-même est une forme de contrôle. Et avec toutes les théories du complot et tout le bordel qu'on a aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, il euh, y, a, y a ce côté la population elle-même crée les concepts, les réalités, les idéologies, les machins auxquels elle a envie de s'accrocher, etc. Et donc peut se retourner contre toi. Il y a un côté euh, tellement euh, un contre, les uns contre les autres aujourd'hui que le fait que la foule entière, la population entière puisse devenir du coup les bots et les agents, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vachement intéressant. Et donc du coup on reproduit véritablement le, euh, le, le schéma des deux films en réunissant du coup avec la fin fin la fin de Matrix 1 et la fin de Matrix 3 avec euh, du coup la réécriture de la matrice. Je vais parler de certains points précis que j'ai notés du coup pendant le film que j'ai trouvé intéressant ou non, ça dépendra, c'est un peu la rubrique divers et variés là mais comme on a des spoilers, je peux enfin parler de tout. Euh, j'ai adoré le fait qu'ils a... On l'a déjà vu dans la bande-annonce hein, mais que Neo passe son temps dans un café qui s'appelle Simulaté. Je trouve ça génial, sachant que tu peux du coup lire le mot Simulaté, donc Laté comme un café ou Simulate. Comme une simulation, etc. Et J'adorais le double nom du, du, de, de ce commerce qui euh, respecte bien ce que j'avais dit au niveau des codes couleurs. Déjà, il y a du vert euh, de la matrice un peu partout dans ce café, notamment d'ailleurs le logo qui est vert. Et euh, on a toujours une touche de rouge qui passe derrière Trinity quand elle s'approche de la vérité, quand elle met le doigt sur la vérité et sur le, la question du réel et tout le bordel. Euh, donc il y a vraiment quelque chose qui est travaillé quand même en termes de mise en scène. Pour le coup, c'est cool à ce niveau-là, mais la mise en scène est tellement moins artificielle, on va dire, et illustrative, qu'elle l'était avant, que je suis pas sûr que tous ces trucs de composition puissent se sentir ou se retrouver facilement quand on regarde le film. Il Faudra voir okay, d'autres visionnages, peut-être, mais peut-être que ce sera, sera un petit peu laborieux par moment. Ils en ont peut-être fait un petit peu trop sur le côté « Ah, oh, les gens, quand ils ont regardé Matrix, ça leur a vrillé le cerveau, donc faut qu'on fasse des répliques, qui devraient un peu le cerveau, etc. » Il y a une réplique qui est très intéressante, qui est vraiment bonne, mais j'arrive pas à savoir jusqu'où est-ce qu'elle est véritablement qu poussée dans le film. Comment est-ce qu'on arrive à déterminer ce qu'on veut, naturellement, et ce qui a été programmé en nous. C'est vachement compliqué de faire la différence entre l'inné et l'acquis. Et il y a quelque chose du coup qui est assez euh, intéressant et intriguant là-dedans. Mais je ne saurais pas dire si le film essaye d'y apporter une réponse ou pas. Ce qui n'est pas forcément le but d'un film. Un film, ça peut juste poser une question et ne pas apporter la réponse. La question est parfois suffisamment intelligente et intéressante pour avoir de la valeur. Je crois pas qu'il y ait une véritable euh, réponse à cette question de est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis. Peut-être que si, avec le fait qu'à chaque fois que Neo et Trinity sont dans la matrice, ils veulent se libérer, ils veulent arriver vers un truc. Donc quelque part, il y a une question innée de vouloir la liberté. Mais en même temps, il y a une question de euh, d'acquisition de, 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 de cette envie-là, avec les envies de Morpheus, les envies de l'Oracle, les envies de Trinity, etc., qui ont transformer néo en l'élu, alors qu'il n'était pas véritablement censé l'être, il n'était pas... C'est intéressant, elle leur dit ça justement dans le film, et ça c'est super cool. Neo ça aurait pu être n'importe qui, ça n'importe qui aurait pu être l'élu, il fallait juste que es le truc qui te décide à te battre, et pour le cas de Neo du coup c'était Trinity. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, il y a des, <laughs> des, des sous-entendus un peu rigolos parfois. Euh, Trinity a, a, a un ami qui l'aide et... Euh, Peut-être qu'il l'aide à rester enfermé un peu dans son univers de matrice. Ou au contraire, je crois qu'il a un peu son truc de liberté, parce que je crois que son collègue qui travaille avec elle dans son truc de réparation de moto, et son truc de réparation de moto, c'est ce qui la lie à son ancien passé, à la Ducati qu'elle avait conduite sur l'autoroute, etc. Donc peut-être que c'est plus un mec qui lui apporte la liberté. Et le mec, qui s'appelle. Couche. <laughs> Ceux qui s'y connaissent pas trop vont, vont croire que je viens de dire couche, C-O-U-C-H-E. Non Kush, K-U-S-H est-ce que ça libérait ou est-ce que ça emprisonnait Trinity Je pense que c'est un des trucs qui l'a libéré, du coup, dans ce truc-là. Et il y a un truc qui est, qui est assez rigolo pour tous les fans qui ont suivi les Watchers depuis longtemps. La quasi-totalité des euh, résistants et des rebelles, du coup, dans ce film, sont joués par des anciens sense Et Il y en a certains, ça fait plaisir de les retrouver, quand même. Morpheus prend toujours de la drogue. <laughs> ça ne va pas du tout. Il y a des costumes complètement rouges, des costumes dorés, des choses... Ça ne va pas du tout. <laughs> bon, pauvre Karl Lagerfeld, tu nous manques. Mais, euh, ouais, non, le Morpheus qui sort avec son costume doré, ça... T'as vu le truc, tu fait <laughs> Oh mon dieu <laughs> L'agression visuelle Les couleurs et tout et euh, Mais typiquement, c'est dans le genre de truc où je trouve que parfois c'est moins bien foutu. Quand il se bat et qui reproduit la scène avec Morpheus, il a un espèce de kimono rouge très joli. Et je pense que elle a voulu parce qu'elle voulait qu a, que le, les vêtements... Suivent les mouvements, vous savez, quand on, quand on donne un coup avec un, un, un vêtement très ample et avec un tissu très léger, notamment dans les films asiatiques, les trucs genre Tigre Dragon ou les films de Zhang Yimou, etc., il y a beaucoup des trucs comme ça avec les costumes où tu, tu donnes un coup et la manche de ton, ta, ta grande robe ou ta tunique, etc., suit le mouvement de ton bras et du coup ça, ça vole derrière et ça confirme le mouvement, ça fait comme une rémanence du mouvement, etc. Mais peut-être que le tissu était trop léger, ou qu'il il aurait fallu faire plus de ralentis. Ça manque un peu de ralentis et de silence, euh, par moments dans film. Mais comme c'était très rapide, je trouve que ça ajoutait au côté brouillon du combat en fait. Comme le, la robe n'arrêtait pas de bouger tout le temps, et qu'elle a des motifs dessus, du coup tu vois un peu les motifs qui bougent, tu vois plein de détails dans l'image, et en fait c'est compliqué du coup de te concentrer sur la main qui est au bout de la manche, plutôt que sur la manche elle-même qui est en train de pendre. Je trouve qu'il y a un truc qui est particulièrement bizarre avec euh, le, ce, ce costume, et les scènes de combat en général de ce film qui me paraissent beaucoup moins professionnelles, que tout ce qu'elles ont fait dans leurs autres films, et elles ont quand même fait une. Je sais pas, 8, une dizaine un truc de trucs de genre là. Enfin, c'est. Attendez quoi. Bound, Matrix, Matrix 2, Matrix 3, euh, Cloud Atlas, Speed Racer, Jupiter Ascending. Ouais, ça fait 7. Et puis on va mettre euh, sense du coup, ça fait. Euh... Ah, c'est pour ça que ça s'appelle sense parce que c'était leur 8ème création, Wachowski. Ah peut-être. Non, Jupiter Sunny est arrivé après. Oh, je sais plus. Bon, bref. <laughs> elles ont fait pas mal de films, quoi. Et puis des films d'action et rythmés, etc. Mais pourquoi est-ce que celui-ci, il n'y a pas de rythme et les scènes d'action sont molles Un truc qui est bizarre quand même. Il y a un truc qui est intéressant dans le fait de montrer... Euh... Alors déjà, beaucoup plus de femmes sont au pouvoir dans ce film-là. Et sachant que euh, les Wachowski elles-mêmes ont fait leur transition, etc. Il y a un truc intéressant dans le fait que maintenant le leader du vaisseau qui, euh, qui aide Neo ne soit plus un homme, mais une femme. La femme du coup qu'on a vue dans les bandes c'est elle avec ses cheveux bleus. Euh, c'est toujours aussi bizarre qu'elle ait les cheveux bleus qu'elle symbole du contrôle, mais euh, bon, why not? Et donc, du coup, oui, il y a une symbolique assez intéressante, d'autant que ce personnage, avant d'être libéré dans la Matrix, était une laveuse de vitres. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu une rumeur persistante pendant très longtemps sur Matrix qui, en fait, est fausse. Il y a beaucoup de gens qui étaient persuadés que les deux laveurs de vitres qui étaient derrière le patron de Neo dans le premier Matrix, c'étaient les Wachowski eux-mêmes. Parce qu'ils lui ressemblaient un petit peu, il y en avait un gros et un tout cuss. C'étaient pas les Wachowski. Mais! Cette nouvelle personne qui est ajoutée du coup au scénario est laveuse de vitres à un moment et voit Neo tomber dans le truc. Du coup je trouve qu'il y a un, une symbolique qui est intéressante dans le fait que ce soit une femme qui maintenant joue les laveurs de vitres. Je, je, je suis quasi sûr et certain que c'est pas les Wachowski, mais j'ai un doute. Parce que je sais que Cette anecdote est revenue souvent quand je faisais mon, mes recherches pour le projet d'auteur sur Matrix. Et j'ai regardé les images, image par image, il n'y a pas une seconde où il ressemble aux au Wachowski pré-transition du coup. Euh, donc, du coup, je, il me semble bien que ce truc-là est faux. Mais le fait d'avoir mis une nouvelle laveuse de vitre quand Lana elle-même a changé de sexe et est devenue une femme, je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui, qui doit avoir du sens dans ce truc. Il y a quelque chose qui, à mon sens, doit être intéressant. D'autant que, pareil, le, les cheveux de couleur, par exemple, c'est un truc de Lana Wachowski. Elle adore avoir les cheveux colorés, elle a jamais pris de couleur naturelle, contrairement à Lily, qui, elle, a pris une couleur naturelle et plutôt blonde. Donc, ouais, je pense qu'il y a un truc particulier avec ce personnage. Euh, cela dit, ce personnage dit un truc qui, à mon sens, est passé complètement à côté de tous les spectateurs parce que c'est j'ai eu des gros problèmes avec les traductions de ce film. Quand je suivais les sous-titres français, ça avait des fois tellement pas de sens par rapport à ce que j'entendais en anglais qu'en fait les deux se contredisaient en fait. Et il y a un moment où elle dit « on n'a plus besoin de, euh, de cabine téléphonique non plus ». Quand c'est traduit en français, c'est traduit par « fini la course au téléphone ». Sauf que la cabine téléphonique ça veut quelque chose, juste le téléphone ça ne veut... Ça n'évoque rien pour le spectateur, donc je pense qu'on n'a pas compris que du coup, ils ont plus besoin de téléphone pour rentrer et sortir de la matrice. Ils utilisent des miroirs, du coup, dans celui-ci, je crois. Donc du coup, voilà, je trouvais que c'était pas très heureux cette traduction française, et je trouve que les traductions françaises généralement du film sont pas bonnes du tout. Et puis du coup, pour revenir sur le final du film, que j'ai évoqué rapidement dans la section non-spoiler, mais je vais pouvoir revenir plus en détail ici, la scène qui m'a mis des frissons dans le dos, c'est la scène où Trinity et Neo se réunissent. Je vous avoue que avec ne la musique qu'il y avait dans ce moment-là. Le côté chaotique et assez bordélique de l'environnement qui rendait vraiment chaotique parce qu'à nouveau les plans sont trop rapprochés, tu sens moins les chorégraphies, tu vois moins le détail, etc. Bon, bref, je crois que c'était un petit peu laborieux. Mais avec tout ce chaos, etc., quand tu essaies vraiment de se rapprocher de l'un de l'autre et qu'ils finissent par se prendre par la main et que ça crée une énorme explosion et que ça envoie gicler tout le monde, pour le coup, je vous avoue que j'étais ah, « ça y est, ça y est, c'est ça que je voulais ressentir devant le film, ça, c'est ça !» Donc voilà, est... pour le coup, c'est vrai que j'ai retrouvé une... des vraies frissons dans ce truc-là, et je trouvais qu'il y avait une vraie violence dans le climax, notamment le coup du suicide collectif. Je trouve que ça fait des images qui sont cauchemardesques. Tous les gens de la ville qui se jettent par leurs fenêtres en même temps, transformés en bombes pour tomber sur Neo et Trinity, sur leur bagnole, sur la machin, pour les, les, les détruire et les, les mettre en état de nuire. Le nombre de personnes qui tombent, la violence, des bruits, des impacts, etc. Je, je trouvais que c'était d'une force et d'une puissance. C'était très angoissant. Je trouve que c'était vraiment malsain, du coup, comme, comme, comme scène. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Et j'ai aimé aussi jusqu'au moment où, du coup, ils montent dans, euh, en, en haut de l'immeuble et ils doivent sauter, de, ils doivent se battre contre les deux, euh, les deux hélicos. Et puis, donc, ils finissent par sauter tous les deux. Et effectivement, on l'avait un petit peu tous vu venir, mais c'est Trinity qui est euh, l'élu de cette nouvelle matrice. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, ça ne dit pas que Neo n'était pas un élu. Mais on a recréé la matrice, et dans chaque matrice, il y a un élu qui doit arriver. Et du coup, pour cette nouvelle matrice-là, c'était Trinity l'élu, parce qu'elle a retrouvé son amour pour Néo, et tout comme Néo a été motivé par son amour pour Trinity, Trinity a été motivée par son amour pour Néo, pour se libérer, etc., etc., et donc créer une nouvelle matrice. Voilà Ah oui, juste vite fait, avant de finir complètement, j'ai beaucoup aimé la blague où on lui demande est-ce que tu peux de nouveau voler et où il essaye de faire le truc, tu vois les déformations, et finalement il fait. Ouais, non. <laughs> J'ai bien aimé ce truc-là. Euh, c'est ça que je dis, ça, ça n'humilie pas le personnage. C'est juste, bah, il n'arrive plus à le faire parce que, bah, c'est plus l'élu de cette version-là, quoi. Il a toujours une certaine, un certain éveil à la matrice, mais c'est plus l'élu, c'est juste un, un libéré un peu quelconque avec un pouvoir un tout petit peu plus élevé parce que il connaît vraiment euh, tous les détails du fonctionnement de cette matrice, du système, qu'est-ce qui est connecté à quoi, comment ça fonctionne, etc. Il a tout découvert, du coup, dans sa propre trilogie à lui, donc il garde un certain avantage par rapport aux autres libérés. Euh, mais là, cette fois-ci, c'est Trinity, du coup, donc il récupère les pouvoirs, et je trouve que ça marche plutôt bien. La scène de fin où euh, ils vont voir l'analyste, je trouve qu'elle était peut-être un peu trop légère, et un peu trop euh, à se taper sur le bide, et à faire quelques blagues, etc., et à et essayer de trouver des trucs un peu drôles. On appuie un peu trop sur le côté misogyne, avec euh, le mec qui dit, mais pourquoi est-ce que cette chienne n'est pas restée sans répondre ou quoi que ce soit en parlant de Trinity et tout le bordel tu fais ouais, « voilà, putain. Alors, on va peut-être sortir sur la section spoiler, du coup, maintenant. La grande, la grande question maintenant, c'est qu'est-ce que le public va en penser est-ce que le public va apprécier ou est-ce que le public va avoir du mal, sachant à quel point ils n'ont pas été tendres avec les deux suites du premier film, Reloaded et Revolutions Encore que Reloaded, il a eu droit à un gros succès, euh, il a fait 800, 800 millions de dollars au box-office mondial à l'époque, donc avec l'inflation, ça va être encore plus gros maintenant. Le 2 avait été donc plutôt bien reçu, mais le 3 avait été un peu détesté par tout le monde, et grosso modo, les gens préfèrent le 1. Donc du coup, je m'attends à voir des gens qui sont plutôt secs avec ce Matrix, et sachant que moi, gros fan de Matrix, au point de avoir consacré une de mes premières grosses, grosses vidéos d'analyse. C'est pourquoi j'ai été plus court avant. C'est avec Matrix que je, et les Wachowski en général que j'ai vraiment adopté les gros, gros formats et puis des, certaines idées de mise en scène et trucs dans ce genre là. Même pour un mec comme moi, il y a un sentiment de frustration, de, de déception, un sentiment de rythme laborieux et les scènes d'action sont pas ouf. Donc avec un problème de rythme, de scènes d'action, euh, un scénario qui... Essaye de te retourner un peu le cerveau, mais qui est un petit peu en mode euh, sous régime. Yeah. Même pour moi, c'est laborieux, quoi. Je, je le reverrai, c'est clair. Je ne considère pas que j'ai vu un mauvais film, mais je pensais revenir avec des étoiles dans les yeux et limite vous faire une Lucie numéro 2. J'en suis loin. J'en suis assez loin. Peut-être qu'il me faudra un petit peu de temps et d'analyse pour revenir dessus, mais je pense vraiment que formellement, esthétiquement et techniquement, il y a des lacunes sur ce film qui ne vaut pas du coup les précédents, même si ce n'est pas une sinistre merde, même si ce n'est pas une suite basique et facile pour récupérer de l'argent, etc. Il y a quelque chose à en tirer, mais je vous avoue que malgré tout, je suis assez insatisfait en sortant de la salle. Et voilà. Voilà, voilà. C'est tout pour mon avis sur Matrix Resurrections. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao.